Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez même vous faire kiffer avec les cartes PSN, tous à tarif réduit. Par exemple, celle à 50€, elle est à seulement 43,89€. Et pour ceux qui veulent des jeux Dragon Ball tous en promotion, eh bien, par exemple, là, vous avez Xenoverse 2 à moins 64%, il est à seulement 7,21€. Fighters à 11,56€ et plein d'autres. Je vous laisse kiffer. Super Dragon Ball Heroes, 4,78€ seulement. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fenerick. On se retrouve aujourd'hui pour tester le nouveau jeu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection sur PlayStation 5. Je remercie Bandai Namco de m'avoir offert ce jeu. Et du coup, les amis, on va partir le tester. J'ai juste fait le didacticiel. Alors, là, ce que je peux vous dire déjà, c'est que concernant les combos, etc., maintenant on a deux modes. Un petit peu comme ils ont pu le faire sur Street Fighter. On a le mode simple et on a le mode avancé, le mode comme à l'ancienne. Et là, du coup, je me suis mis en mode simple pour tester. J'ai fait du didacticiel et tout. Et franchement, c'est plutôt plaisant. Donc voilà, on a la petite intro. Super bien fait. Franchement, je crois que là, il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14h concernant les graphismes. C'est époustouflant. Alors, dans cette vidéo, je vais tester avec vous en avant-première, eh bien, ce jeu. On va faire l'histoire, etc. Je vais vous montrer un petit peu également les options, parce que oui, on peut mettre les voix françaises, on peut mettre les voix japonaises, anglaises, etc. Et là, rien que pour la nostalgie, les amis, j'ai envie de mettre les voix françaises, parce que j'avais découvert Naruto auparavant avec les voix françaises, même si je préfère les VO. On va pas se mentir, la VO, c'est incroyable. Donc voilà, alors on a l'histoire spéciale avec Boruto, on a les combats libres, on a les combats en ligne, donc en online, ça faut vraiment être quand même assez chaud, et on a de la collection. Si tu appuies le pad PlayStation 5, tu as également les options didacticiel, vérifier l'aptitude, etc. Dans les options, eh bien, du coup, là, je me suis mis sur type de contrôle simple, comme j'ai pu vous le dire. Donc, vous pouvez le mettre normal, etc. Donc là, je suis resté sur simple. J'ai baissé un petit peu la musique. Voilà, j'ai laissé les voix, etc. Les sous-titres, j'ai mis non. Pourquoi? Parce que j'ai mis les paroles en français. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne en français, toute première. Moi, je trouve ça intéressant dans les jeux vidéo de mettre les voix françaises. J'aimerais bien qu'ils fassent la même chose pour Dragon Ball. Sait-on jamais pour Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, enfin, Sparkling Zero, avoir les voix françaises serait pas mal. Même si à 90% du temps, on jouera en VO. Mais avoir la VF, franchement, ça a son charme pour la nostalgie. Allez, on est parti sur l'histoire. On va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Ok, là, incroyable. Let's go. J'ai décidé de renier mon passé. Pa. Je vais vous mettre un peu plus fort. Je te laisserai pas. C'est les vraies voix. C'est les vraies voix françaises. Ce que j'ai appris, je le tiens des gens de mon passé. C'est parce que j'avais mes amis. Et graphiquement, c'est beau. Ils ont façonné l'homme que je suis. Ils ont façonné l'homme que je suis. Renier ton passé. Oh là là. Dans ce cas, tu sais pertinemment ce qu'il te reste à faire. Oh là 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 là. Et graphiquement, pa. Là, on est sur PS5. Là, je suis d'accord. Oh. Oh là là. Oh là 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 là. On va se taper là. Sasuke, Naruto Uzumaki. On est parti. Eh, franchement, les amis, graphiquement, dites-le moi dans l'espace commentaire. Je pense que là, on est d'accord. C'est masterclass. Mais ça fait plaisir de jouer en français. Un incident affecte le cours de l'histoire des hommes. Franchement, c'est pas mal de jouer comme ça en français. Il ça change, en fait. Provoquer sa disparition. Puis sur un prochain live, un monde on jouera en VO, hein, sans problème. Mais là, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait en VF. L'histoire serait dénuée d'humanité. Oh là là. Ça raconte un peu d'histoire. Ok. Alors, je vous laisse tout. Comme ça va vous permettre de voir quand vous achetez le jeu, eh bien, à quoi faut s'attendre dès le début. Et peut-être vous donner l'envie, justement, d'y jouer. Hein. Ok.
Le livre de la transcendance que vous avez composé. Le livre de la transcendance. Est désormais oublié. Ok. L'histoire doit être ressuscitée. L'histoire doit être ressuscitée. Mais pour y parvenir, il faut en bâtir les solides fondations afin que sa voie soit toute tracée. Par conséquent, nous les érigerons tous ensemble. Ok. Donc là, il nous raconte bien. Une fois de plus, calmement, c'est détaillé, c'est... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si une personne qui n'a pas vu Naruto pourra être plongée dans l'œuvre. Commençons. Voilà, là, commençons, voilà. Là, c'est intéressant parce que je me dis que... Bon, moi, je connais... et encore, je ne suis pas un puriste de Naruto, loin de là. Par exemple, Boruto, je n'ai jamais regardé. Mais tu vois, pour ceux qui n'ont pas vu Naruto et Naruto Shippuden, est-ce que, du coup, ils pourraient découvrir cette licence à travers le jeu vidéo? Ça pourrait être intéressant, on va voir. Alors, en mode histoire, tu pourras jouer à travers les épisodes pour établir l'histoire. Ce mode contient 8 chapitres au total et tu peux y jouer dans l'ordre que tu veux. Bon, on va y jouer dans l'ordre. Hein. Donc voilà, chapitre 1. Alors, épisodes principaux restaurés 0 sur 8, secondaires, ok. Donc il y a même des épisodes secondaires, etc. Et bah du coup, si on fait sous-menu, c'est quoi? Ok, c'est didacticiel, regardez l'introduction, ok. Et bah du coup, on est parti pour chapitre 1. La restauration d'épisodes d'un chapitre augmentera à mesure que tu progresseras dans les épisodes principaux et secondaires de ce chapitre. Essaie de terminer tous les chapitres en jouant aux épisodes principaux et secondaires. Ok. Toutes les réactions des joueurs sur les épisodes sont visibles, avec les réponses les plus fréquentes en haut. Les joueurs peuvent enregistrer leurs réactions après avoir joué à un épisode principal. Très bien. Les épisodes principaux incluent des épisodes de la scène et de combat. Une fois que tu as terminé un épisode principal, tu pourras rejouer à n'importe lequel de cette scène de combat. Ok, à n'importe lesquels de ces scènes ou combats. Les icônes pour les épisodes de combat sont les suivants. Donc on a l'icône rouge, combat de boss, et l'icône verte, combat libre. Alors par contre c'est bien parce qu'une fois que tu l'as fait, tu peux le refaire à nouveau. Voilà, ça c'est plutôt pas mal en soi. Naruto Uzumaki, ok. Encyclopédie, Naruto X Boruto, ok. Bah vas-y, hein. On est parti. Naruto Uzumaki, let's go. Le renard. Le fameux renard. Kyubi. Le village déplora de nombreuses pertes humaines et les dégâts considérables. Ok. Le village a été reconstruit par la suite, marquant le début d'une ère de paix. C'est bien ça, pour ceux qui n'ont jamais regardé Naruto. On leur explique. Naruto Uzumaki habitait dans ce village, c'était un garçon qui rêvait de devenir Hokage ou chef du village et passait ses journées à faire des bêtises à l'académie des ninjas. Voilà, bah au moins, j'ai la réponse à ma question. Une personne qui ne connaît pas Naruto va pouvoir jouer à ce jeu et comprendre. Naruto était l'hôte de Kyubi, donc le fameux renard qu'on a vu. Et à cause de cela, ok, bon, j'ai pas eu tort, mais en soi, il est en lui et ça lui donne, voilà, il a un pouvoir caché, machin. Entrée, ok, dans l'académie, très bien. Désormais accepté en tant que ninja, il a suivi sa propre voie avec une grande motivation. Et c'est bien parce que du coup, on retrouve les dessins de l'animé. C'était les dessins de l'animé, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, mode histoire, chapitre 1. Ok. Donc là, on a eu un bref résumé du début de Naruto. C'est quand même intéressant. Les surnoms s'utilisent à la place de ton nom sur la carte d'information ninja. Crée un surnom en associant deux noms dans l'ordre que tu veux. Une fois le surnom obtenu, tu pourras l'utiliser. Ok. Vérifier les pages débloquées. Ok. Très bien. Ok. Naruto, vas-y, c'est parti. Bah non, mais ça c'est bon, c'est déjà fait ça. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai revalidé la même chose, n'importe quoi. Ok. Bon, au moins comme ça, voilà. On repasse encore à nouveau. Alors, Naruto, c'est bon, c'est fait. C'est quoi maintenant qu'il faut faire? Restauration d'épisode. Ok. Frères réunis. D'accord. Donc là, tu peux tout passer. Je découvre le jeu avec vous, les amis. Hein. Comme ça, au moins... Ok. Donc maintenant, on va là-dessus. Ok. Prologue. C'est parti. Alors, définis le style de contrôle sur simple. Ok, bon, bah ça, c'est ce que j'ai déjà fait. À partir de ce jour, l'histoire sera réécrite. L'histoire sera réécrite. Nous devons lui octroyer un rôle central. Les circonstances de sa naissance étaient cruelles. Ok. Je vous laisse les cinématiques. Comme ça, vous découvrez. Voilà. Hein. Le but, c'est vraiment de vous
plongé au début de ce let's play. Comme si vous venez d'acheter le jeu et vous découvrez avec moi. J'ai pas découvert avant vous. Le quatrième Hokage, alors chef du village, c'est là l'esprit enragé dans le corps de Naruto Uzumaki. Bah oui. Et rétablit temporairement la paix à Konoha. C'est bien, au moins ils expliquent. Ils expliquent. Donc Konoha, c'est le village, hein. Au cas où, je sais pas s'il l'avait dit, mais moi je vous le dis. Démon à neuf queues. Naruto le démon à neuf queues, c'est Kyubi, du coup. Pendant toute son enfance, le fameux renard. Mais il conserva le sourire. Qui a été enfermé dans le corps de Naruto étant bébé. Voilà, ils ont scellé... Au fil des années, dans son corps. Naruto devint un jeune homme et ne rêva plus que d'une chose, Nata. Devenir Hokage. Armé d'un optimisme à toute épreuve, il se retrouva rapidement entouré okay. d'amis proches. Ok. Parmi eux se trouvait Sasuke, un jeune homme du clan Uchiwa. Et Sasuke Uchiwa, son frère Itachi. Vous savez de quoi on parle, pour ceux qui connaissent. Vous savez de quoi on parle. J'ai hâte de voir Itachi. À l'obtention de leur diplôme de ninja, Naruto et ses deux shinobi intégrèrent l'équipe 7. Ensemble, ils accomplirent d'innombrables missions et se lièrent d'une profonde amitié. Toutefois, avant de pouvoir partir effectuer Kakashi. Ses missions, donc Kakashi, c'est le sensei relever le défi de Naruto. Par leur maître, Kakashi Hatake, à qui l'on avait confié la lourde tâche de mettre leur capacité à voilà. l'épreuve. Il doit les entraîner et tout ça. C'était le sensei, quoi. Cet entraînement n'aura rien à voir avec les autres. C'est un test qui va nous permettre de voir quelles sont vos capacités de potentiel Genin. Franchement, c'est pas mal, hein. Ils expliquent bien. Ah, yeah. L'heure est venue. Que la session de survie commence. Là, je pense que ça va être à nous de jouer. Ok. La session de survie commence. Donc, c'est bien, on reprend vraiment au tout début. C'est ça qui est bien. Alors, bat Kakashi. Technique secrète et éveil inutilisable. Finir avec plus de 60% de PV. Donc, vous voyez, vous avez également... bon, là, vous ne voyez pas bien parce qu'il y a ma caméra. Mais vous avez des tâches à faire. Toucher deux fois l'ennemi avec une attaque de soutien. Image de carte d'information ninja. Alors, je vous explique parce que moi j'avais fait le didacticiel. Par exemple, vous savez, vous avez des personnages, vous pouvez changer. Alors, je pense que ça va être le cas avec Sasuke, etc. Pour changer de personnage, c'est avec le joystick de droite. Soit un coup à droite, soit un coup à gauche, en fonction des persos. Ou sinon, vous pouvez demander de l'aide de vos personnages avec les gâchettes. Je crois que c'est L1 et L2. Ou... Bon, on verra bien, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Ok. Sur les 27 diplômés, seuls 9 seront acceptés en tant que génie. Voilà. Vous entendez ? Cela signifie que vous avez au minimum 66% de chances d'échouer et de ne pas être accepté. Quoi ? C'est pas possible ! Dans ce cas, à quoi ça servait ? Je suis bien arraché là. Ah, l'épreuve du diplôme, hein ? Ça, c'était juste pour trouver des candidats qui deviendraient potentiellement gagnants. Quoi ? Bon sang ! Moi, je tiens pas vraiment à me faire évincer aussi vite ! Pas ok. question ! Balle d'ombre, chargez ! C'est de loin. Ce n'est pas fini ! On ne bat pas aussi facilement ! On peut toujours compter sur moi, quand voilà. il est... J'avoue que ce n'était pas mal du tout. Hey. Alors, je suis en... Incroyable. Je suis avec les commandes... Comment dire, simple. Donc, je suis pas encore bien habitué. C'est vraiment mon tout premier combat hormis le didacticiel. Hop, voilà. Bim. Parfait ça. Résultat du combat. Ah, ok, bon. Je sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Donc, je suis en train un peu de tester voilà, les commandes simples. Hein. C'est pas les mêmes commandes que... Les anciens de Naruto. J'ai voulu tester avec les commandes simples et non pas les classiques comme à l'ancienne. On se met sur Next Gen ou on se met pas, les gars. Hein hein Mais nous n'avons même pas réussi à prendre les clochettes. Je ne testais pas vos capacités individuelles. Okay. Ce que j'ai évalué, c'était plutôt votre travail d'équipe. C'est bien, j'ai fait du travail d'équipe, moi. Notre travail d'équipe. J'ai même mis Sakura pour faire le finish sur le Kakashi. Ninja, s'il vous plaît. On peut dire que les règles Après, j'aurais pu le faire sur Sasuke. C'est vrai. Mais il n'y a rien de pire qu'un ninja qui délaisse ses amis. Ok. C'est ce qui compte plus que tout. Ok, très bien. Bien, les leçons de vie dans Naruto, les leçons de vie sont vraiment
très importante et très impactante. On le voit direct, Kakashi. En gros, tu dois pas délaisser tes amis. Tu vois, tu dois toujours les aider, toujours les soutenir, etc. Il y a beaucoup de leçons de vie dans Naruto, et c'est ce qui fait le charme de cette licence. Équipe 7 aura sa première mission dès demain. Suite à leur épreuve contre Kakashi, les trois jeunes shinobi apprirent l'importance de la collaboration et formèrent officiellement l'équipe 7. Malgré les ambitions et les rêves radicalement différents qui les habitaient, les trois amis s'élancèrent. Ils sont bien, les dessins, ils ont repris les dessins de l'animé. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et c'est ainsi propre que débuta leur périple sans fin. Le périple sans fin. Et ouais, leur périple sans fin. Surtout quand on sait ce qui se passe après entre Naruto, Sasuke, ça se tape dessus. Ouais, c'est incroyable. Après avoir terminé un épisode, tu pourras partager ta réaction à celui-ci. Tu peux aussi voir les réactions des autres joueurs. Une connexion en ligne est requise pour voir les résultats. Oui, parce qu'il y a du online, etc. Donc, bon, en soi, c'est bien. Alors, là, pour l'instant, je suis en rang A sur cette mission, niveau 1. On a pris 135 partout et on a pris 205 avec Sakura. Ok, réaction à l'épisode. Ah, tu peux voter. Ok, j'ai voté. D'accord, en fait tu votes en fonction des gens, si j'ai bien compris, la réaction des joueurs, c'est marqué tout en haut. La réaction des joueurs, s'ils ont aimé ou pas aimé. On est 63% à avoir kiffé, tu vois. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Tu as obtenu 300 rios. Ok, parce que j'ai partagé la réaction. Donc partagez vos réactions les amis, ça vous donne des rios. Ok, du coup ça c'est bon, suivant. Réalise, ok, donc ça c'est bon, hop. Les couleurs de costumes sont des objets te permettant... Ok, très bien, on a des costumes, on débloque des costumes, etc. On est bon. Donc du coup, ça c'est bon, ça a été validé. Ok, dans l'encyclopédie, etc. Alors, on est parti. Démon du brouillard. Ok, let's go. Donc on revoit un petit peu, hein, voilà... Faisant partie officiellement de l'équipe 7, Naruto et ses compagnons furent chargés d'escorter un dignitaire jusqu'au... Voilà, ok. Zabuza. Eh, il était incroyable, lui. Oh, il était incroyable. Qu'est-ce que j'avais kiffé. Zabuza, franchement, il était incroyable. C'est à partir de là où on a vraiment vu Naruto s'énerver avec son démon Kyuubi. Voilà. Parce que c'était à ce moment-là où il a voulu sauver Sasuke. Il était que Haku, ouais. Ouais, c'est ça, le compagnon, voilà. Il y a une relation très émotive entre Haku, donc le personnage qui a le masque, et Zabuza. Voilà, ça c'est Haku. Et du coup, Haku vraiment balèze. Zabuza, en gros, il va se taper contre Kakashi. Et Haku va se taper contre... Naruto, Sasuke, et Sasuke à un moment donné sera vraiment mal en point, et on a Naruto qui va se vénérer, et on va voir en fait Kyuubi commencer à ressurgir de Naruto, et c'était masterclass, c'était vraiment masterclass. Donc, du coup, hop, on est parti là-dessus, hop. Donc, en jouant une équipe, appuie sur L1, R1 pour faire voilà, un personnage. Désormais membre officiel de l'équipe 7. Les trois ninjas reçurent pour mission d'escorter un dignitaire jusqu'au pays des vagues. Très bien, ça on le sait. On y construisait un pont destiné à relier cette région. C'est là où il y a eu la bagarre. Toutefois, les travaux étaient régulièrement. Zabuza était stylé en plus. Par un groupe qui voyait il avait une sacrée voix aussi. J'aimais beaucoup la voix de Zabuza. Franchement, je trouvais ça vraiment bien kiffant. De protéger le pont jusqu'à la fin de sa construction. C'est à cet instant là, Zabuza, que deux personnages étranges firent irruption et déclenchèrent un combat féroce. Il est stylé, Zabuza. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Hey, il est pas trop stylé, regardez le flow qu'il a, Zabuza. Zabuza Momochi, l'un des sept épéistes de la brume, et de Haku, un jeune prodige et disciple de Zabuza, qui possédait des pouvoirs tout à fait extraordinaires. Incroyable. Malgré des sentiments ambivalents à l'égard de Haku, Naruto comprit que ce dernier n'était qu'un outil entre les mains de Zabuza. Ceux qui n'ont pas vu ou lu Naruto, vous pouvez jouer à Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection.
Parce que du coup, vous allez découvrir l'histoire. Et ça va peut-être vous donner l'envie maintenant de regarder l'anime ou de lire le manga. Le dessin, il est bien. Sasuke. C'est, franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, Ba-Haku, technique secrète et éveil inutilisable. Finir avec plus de 60% de PV. Touche 3 fois l'ennemi avec un ninjutsu. Ok. Ich. Par contre, graphiquement, pom. C'est à moi de jouer. Katon, ok. Voilà, hop. Voilà. Je me bats pour quelqu'un qui est particulièrement précieux. Ok, je vis, charge. J'affronte la mort pour lui. Je vis et j'affronte la mort pour que son rêve... Ah! Je me suis trompé. Excusez-moi. J'ai eu mon pouce qui a ripé sur Star. Ouais, je vais prendre les trucs là. Je m'y refuse. Quoi qu'il arrive, à la fin, la victoire sera à moi. C'est voilà, ça y est, arrête le combo. Ok. Finir plus de 60% de PV, ok, on est bien. Au beau milieu de ce combat acharné, Sasuke éveilla ses Sharingan, okay. Les pupilles spéciales du clan Uchiwa, inversant ainsi le cours de la bataille. Ok, let's go. Donc ça c'est le pouvoir particulier de Sasuke. Et là, du coup, ouais. C'est maintenant qu'il va se venir, Naruto. Pourquoi j'avais kiffé ce moment. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne t'avais rien demandé. Je ne sais pas. Mon corps a bougé tout seul. Oh là. Pas eu le temps de réfléchir. Minable. Oh là là. Incroyable. Face à cette tragédie, il va se vénère, Naruto. Naruto sombra dans une rage inextricable. Oh, je m'en souviens. La puissance de Kyuubi. Rapidement, Haku fut submergé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te pardonnerai jamais. Oh, hey, les dessins étaient incroyables. Regardez le visage de Naruto vraiment vénère avec les traits de Kyuubi. Oh. Pa. Ah, il l'avait frappé fort, là. Je suis très loin d'être à la hauteur de ce gamin. Il était incroyable, Naruto. Zabuza. Franchement, stylé de ouf. Ça me donne envie de revoir, parce que ça fait des années que j'avais pas regardé. Franchement, incroyable. Hop. Ayana, ouais, ils étaient tristes, de ouf. C'est stylé ça qu'on puisse voter, tu vois. Ça, c'est un petit truc sympa, tu vois. Donc voilà, hein. j'ai tout validé. Parfait, on est bien là. On est bien. Les accessoires, ok, on a les accessoires. On a les objets et tout ça, c'est cool. On débloque des accessoires, on débloque des titres aussi. Très bien. Petite chose sympathique, hein. En vrai de vrai. Ok, c'est parfait. Haku. Le Nindo de Haku a été déverrouillé. Ok, parfait. Donc maintenant, ici. Bon, bah là, c'est la fin entre Zabuza et Haku. Voilà, le prologue. Juste avant qu'ils rendent l'âme. Alors que Naruto et Sasuke affrontaient Haku, Zabuza, il était avec Kakashi, ouais. Avec Zabuza. Bah, c'était chaud, hein, quand même. Je m'en souviens, le combat, il était chaud pour Kakashi. Hein. Un imposteur comme toi ne peut pas me battre. Au nom du pays des vagues et son avenir. Il y a un claque après. Il avait sorti tout. Toi. Oh, c'était incroyable. Oh là 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 là. C'est comme si c'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Oh là là là. Avec le Sharingan et tout. Oh là 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 là. Bazabuza. Ok, on va jouer Kakashi. Mais stylé de ouf. Ça me plaît. Éveil inutilisable. Ok. Finir, achever l'ennemi avec une technique secrète. Ok. Allez. On est parti. Tu ne pourras jamais me battre. Si je me bats,
c'est pour mes ambitions. Et rien d'autre. Tu représentes un trop grand danger. Ah, dommage. Tu dois t'arrêter ici. BOUM! Pouah, le flow qu'il a, Kakashi, frère. Kakashi frérot. Oh lolo lolo. Mais le flow du perso toi. Ok, je recharge. Hop là. Là, il est bien vénère, là, le Zabuza, là. Ok. Il était chaud à un moment donné, la Zabuza. Franchement, il a été chaud à un moment donné. Oh là 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 là. Kakashi s'élança pour lui porter le coup de grâce. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Dans le but de protéger son maître. Quand on a quelque chose de précieux, magnifique le dessin. Trouve en soi une force insoupçonnable. Magnifique. Grâce à sa détermination sans faille, Aku était resté fidèle à son Nindo jusqu'à la fin. Franchement stylé. À cet instant, Gato, le commanditaire de Zabuza, arriva à la tête d'une bande de malfrats. Puisqu'il n'avait plus besoin de ses deux mercenaires, il comptait les abattre en même temps que l'équipe 7. En gage de gratitude. Oh là là, et Zabuza, il pleurait parce qu'en fait, il kiffait de ouf à coup. Zabuza usa de ses dernières forces pour assassiner Gato. Ah, je m'en souviens, furé. En fait, Zabuza, il faisait le dur à cuire, pour vous expliquer. Il faisait le dur à cuire, en mode il a pas de sentiment. Et Naruto, après, il lui avait fait une leçon de vie, une morale. Et après, Zabuza, il avait dit à Naruto, arrête, gamin, s'il te plaît, arrête. Il s'était retourné, et là, on le voyait, il pleurait. Parce qu'il était dégoûté que, bah, Aku, il rende l'âme, tu vois. Finalement, il l'aimait de ouf. Que ce n'est pas possible. J'aimerais tellement te rejoindre, là où tu es. Oh là là. Là où tu es. Oh, magnifique. Beaucoup d'émotions dans Naruto. La neige tombait telle des larmes venant des cieux, et Zabuza rendit son dernier souffle aux côtés du corps brisé de Aku. Voilà. Voir ces deux ninjas rester fidèles à leur Nindo jusqu'à la fin. Franchement, incroyable. Marqua à jamais le cœur de Naruto. Franchement, incroyable. C'était vraiment incroyable. Ok. J'ai même pas eu le temps de voter, je crois. Ah, oh, c'est pas grave. Ok, alors, Zabuza, Momoshi, les démons pleurent aussi, a été dévoyé. Bah ouais, parce que du coup, il a pleuré. Hop, on va voter. Ok. Alors maintenant, Zabuza et Aku. Let's go! Zabuza et Aku, les gars! C'est vraiment le commencement de Naruto, hein. C'était les premiers épisodes de Naruto, ça. Zabuza, Aku, tout ça. Avant de retourner à Konoha, Naruto et les autres allèrent visiter leur tombe. Et l'épée de Zabuza me fait penser un peu à l'épée de Guts, tu vois, la Dragon Slayer, ou l'épée de Cloud dans Final Fantasy. Je pense qu'ils ont dû s'en inspirer. Vous voyez les grosses épées de barge, là, des épées de bargeot, tu vois. Franchement, c'est intéressant. C'est comme Naruto, hein. Cheveux jaunes, ça te fait penser au Super Saiyan. La tenue orange et bleue, comme Goku, tu vois, orange et bleu. Voilà, il y a toujours des petits codes couleurs pour te faire penser, en fait, aux œuvres qu'il y avait autrefois, tu vois. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela, même avec One Piece, Oda le dit lui-même, ils se sont inspirés d'Akira Toriyama et tout ça. Et c'est pas une honte, au contraire, c'est très bien. Ça nous a permis d'avoir des œuvres de fou par la suite, comme du One Piece, du Naruto, du Bleach et tout ça. C'est très très bien. Let's go. Ok, Zabuza, Aku. Et franchement, c'est bien, hein. Ça suit bien la chronologie. Franchement, c'est vraiment bien. Examen des chenilles.
Tu vois, ça suit vraiment bien la chronologie. Donc là, ils vont passer l'examen. Avait commencé à Konoha. Je m'en souviens de ça. Et lui, il était en panique, Naruto, parce que c'est un cancre, tu vois. Avec Hinata à côté. Donc elle, elle est love de Naruto. Ah, vous la voyez pas avec ma caméra, mince. Mais elle est love de Naruto, tu vois. Leur prochain défi était d'attraper les parchemins, ce qui pouvait entraîner la mort dans la lutte. Pendant l'épreuve, un ninja mystérieux du nom d'Orochimaru. Orochimaru, oh là là, vous connaissez, hein. Incroyable Orochimaru. Naruto fut assommé et Sasuke reçut la marque maudite d'Orochimaru. D'Orochimaru, je vais y arriver, avant de perdre connaissance. Ils furent attaqués par les ninjas du son, ce qui aggrava leur situation. C'était les ninjas du son. Ok. Peu de temps après, Sasuke reprit connaissance en utilisant le pouvoir de sa marque maudite pour repousser les ennemis. Donc là, c'est le pouvoir d'Orochimaru, parce qu'il l'avait, mordu, il a eu la marque maudite. Et du coup, voilà, entre guillemets, le côté obscur, on va appeler ça comme ça. Ok, très bien. Voilà. Ça vous permet vraiment, les amis, hein, de voir le début du jeu. Comment ça se passe? Cette vidéo, elle est faite pour ça. L'examen des Chunin. Cette vidéo a vraiment pour but de vous montrer eh bien, le début du jeu. Et là, quand je vois ça, c'est bien... franchement, la chronologie est bien respectée. Vous connaissez. Hein. L'objectif principal de chaque participant était de montrer sa puissance militaire au cours d'une simulation de guerre à petite échelle. Okay. Simulation de guerre à petite échelle. Les trois amis Naruto, Sasuke et Sakura mirent à profit les capacités acquises au vraiment bien fait le dessin avec les cheveux au vent. Afin de relever vraiment sympa. Le premier défi. Toutefois, pour la troisième épreuve, ils furent contraints d'affronter un autre ninja. Ouais, exact. Naruto fut opposé avec à son un ancien yinche. Camarade de l'académie, Kiba Inuzuka. Inuzuka. Je ne perdrai jamais contre quelqu'un comme toi. C'est facile à dire. Kiba Inuzuka. Bon, voyons un peu de quoi tu es capable. Franchement, stylé de ouf. Vas-y, c'est parti. On va te cabosser. On va te cabosser, Kiba. Technique secrète et éveil inutilisable. Ok. Si tu es mon adversaire, alors j'ai déjà gagné. Oh ouais, t'as déjà gagné. Tu vas voir si tu vois ce qu'on va te faire. Alors il n'est pas question que je perde. Et toi, Okage ? Dans tes rêves ? Et toi ? Ne me sous-estime pas. Hop. C'était mieux. Là, comment on te cabosse, frérot. Ce n'est pas fini. On ne va pas aussi facilement. Ne prends pas la grosse tête. Allez-y. Ouch. Ok. Voilà. Ok, je fasse gaffe là quand même. Ah ouais, j'ai faut que je fasse gaffe. Je m'en doutais. Voilà, bim. Allez. KO. Kiba. Cuisine. Bah oui, mon garçon. Bah oui. Et encore, j'ai pas bien le gameplay encore en main. C'est vraiment le tout début. Hein. Faudra que je fasse des entraînements, etc. Que je vois un petit peu. Je serai au Kage. Alors avec les commandes simples. Ébloui par cet impressionnant coup de théâtre, les spectateurs présents commencèrent à se. En tout cas, ça va. Hein. Franchement, la prise en main, elle se fait quand même bien, les amis. Hein. C'est pas trop compliqué, tout mais ça. J'ai pas eu de niveau de difficulté à régler. Il n'y a pas eu genre facile, normal, difficile. C'est tu lances et voilà, tu vois ce que ça donne. Hop, on va mettre comme ça. Voilà. Tu as obtenu 300 IOS. Ok, hop.
Ok, Kiba, ok. On débloque ça. C'est pas mal. Très bien. Ok, mois d'histoire chapitre 1. Ok, du clan. Ok. Ok, très bien. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, les amis. Voilà, on a fait le tour de ce début de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. C'est quand même un gros titre, quand même, hein, le nom de ce jeu, c'est incroyable. J'étais sur PlayStation 5, encore une fois, je vous le redis, je redis merci à Bandai Namco pour m'avoir offert ce jeu, ça fait toujours plaisir. Max de pouces bleus, les amis, toujours en mode Genkidama, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans l'espace commentaire. Et si vous avez envie de vous faire plaisir avec ce jeu, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et aller sur le site Instant Gaming, vous paierez votre jeu moins cher. Voilà, merci à vous. Je pense qu'on fera pas mal de live sur ce jeu. Donc, activez la cloche pour recevoir les notifications et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Coming!